Maison. Maison. Est-ce que c'est enregistré? Ah! Vous avez entendu le maison. Ben, je vais lui donner un ordre. C'est le miroir main libre Bluetooth. Et là, ben, ça sonne. Et c'est, en théorie, Virginie qui devrait répondre ou quelqu'un d'autre de la joyeuse colonie. Et on va donc entendre... Allô, Virginie, on est en plein tournage pour... Écoute, on t'entend tellement. Virginie, on est en train de présenter le miroir Bluetooth, miroir qu'on place par-dessus le miroir de notre voiture, donc comme je le disais, pour l'installation. Et ce qui a vraiment d'intéressant avec lui, c'est que, bon, outre le fait qu'il y a à l'intérieur des haut-parleurs intégrés, on pourrait le synchroniser également avec la radio FM. Vous vous placez sur une fréquence qui est non utilisée. Et là, ben, je pourrais t'entendre, Virginie, à l'intérieur des haut-parleurs de la voiture. Mais j'appuie à l'instant sur le petit bouton « Record ». Ça, j'ai le droit hein, d'appuyer sur des boutons de gadget, c'est légal, mais j'ai pas le droit de toucher au téléphone. Parler à la personne qui a fait la loi, là. Donc, Virginie, dis-moi un numéro de téléphone, mettons. N'importe quel. Au hasard. Ouais. 450-822-5966. On s'excuse auprès de la personne si jamais ce numéro-là existe. Là, on a dit n'importe quoi. Appelez pas là, s'il vous plaît. Virginie, ce que je viens de faire, c'est quand j'ai appuyé sur le bouton « Record », ce qui veut dire que, comme à peu près 108% des fois que je t'appelle, c'est pour avoir le numéro de téléphone que j'ai dans mon ordinateur que j'ai pas sur moi. Et avant ça, qu'est-ce que je faisais? Je prenais un papier et un crayon, puis ça prenait comme 2 minutes pour me donner le numéro parce que je voulais pas avoir d'accident. Ben là, on est présentement en train d'enregistrer la communication téléphonique. On a 40 secondes en tout pour enregistrer. C'est beaucoup plus sécuritaire. Juste pour le fun, ton feeling au niveau de la qualité audio, ça a l'air de quoi? J'entends un petit peu de vent, mais c'est très bon, là, le son. Bon, quand tu vas me voir, là, tu pètes dans la vidéo, tu vas comprendre que c'est pas pire. J'ai comme la perruque qui est rasée à Drummondville. Donc, si tu entends juste un peu de vent, là, ça va vraiment du bon sens. Ben écoute, merci Virginie. Ah non, c'est vrai. Non, continue à me parler. Parce que, et là, je veux que tu me parles. Donne-moi une recette de Kraft Dinner, n'importe quoi. Non. Et regardez, là, moi, je continue à l'entendre. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai pris sur le côté du fameux miroir un petit écouteur. Et là, je peux avoir, parce que ça commençait à être privé, notre discussion, là, Virginie. Il fallait pas que les gens entendent. Et là, je vais remettre sur le côté. Virginie, tu es toujours là? Oui, je suis là. Fantastique, pareil. Hein? Tu es en train de parler. Tout le monde entend dans le véhicule. Ça peut être des amis, des contacts d'affaires qui sont là. Ça te tente pas. Tu décroches sur le côté. Tu as le petit bout de la discussion privée. Et après, tu remets sur le côté l'écouteur pour oreille qui est là. Ben le fun comme produit. Merci, Virginie. Salut. Ciao, bye. Et on arrête la communication. Et en appuyant sur la touche play, ben là, on va pouvoir réentendre notre discussion qu'on a eue tout à l'heure. Je vais pouvoir avoir mon fameux numéro de téléphone qui va apparaître dans les haut-parleurs. Bougez pas, ce sera pas long. J'appuie dessus. Là, j'ai le droit hein, d'appuyer sur des boutons de gadget illégal. J'ai pas le droit de toucher au téléphone. C'est drôle pareil. Là, on entend Virginie et moi en pleine communication tantôt. Et là... Super sécuritaire parce que là, finalement, vous avez les deux mains sur le volant, vous réentendez le numéro que vous devez composer. Alors voilà, c'est Blue Sky. Quand je vous disais qu'il n'y a pas d'installation, cloche, ça s'enlève comme ça et vous le placez par la suite, soit dans le coffre à gants ou vous partez avec. Et le fil, ben, c'est pour la recharge. Et une fois rechargé, c'est bon pour quelque chose comme quoi, 100 quelques heures, hein, t'as dit? 168 heures quand même, alors vous passerez pas votre temps à le recharger, mais vous pouvez le recharger via l'allume-cigarette ou encore là, il existe une prise électrique 110 pour la bête. Alors ben oui, demandez-le quand vous le commandez, hein, parce que quand c'est dans la boîte, là, à la base, le modèle que moi j'ai eu, là, ça vient avec la prise cigarette, mais vous pouvez également avoir, là, paraît-il, une prise 110 pour brancher dans le mur. Alors voilà, ben bonne conduite, c'est un autre gadget qui coûte à peu près le prix d'une contravention, mais vous allez garder vos points d'inaptitude sur votre permis. Ciao. Détails dans la page hein, et les liens, tout le bataclan, comme d'habitude.